Si nous sommes prêts, alors il est temps de commencer. Bonjour, buongiorno, soyez bienvenus tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à l'époque de la pandémie, mais quand même, nous sommes plutôt de bonne humeur. Je salue tous les panélistes, tous les intervenants. Nous allons donc le panel de haut niveau organisé dans le cadre du 15e forum FGI, organisé par les Nations Unies. Il y a une liste très intéressante de panélistes que je voudrais maintenant vous présenter avant de démarrer la réunion. Je voudrais donc saluer Monsieur Victor Harrison, commissaire pour les affaires économiques de l'Union africaine, aussi Daniela Brandstrup, qui est directrice adjointe du directeur général et qui est en charge de tout ce qui concerne le cadre, les régulations de politique numérique dans le cadre du ministère allemand de l'économie et de l'énergie. Ensuite, Armida Al-Siabana, sous-secrétaire général des Nations Unies. Monsieur Hi, qui est le vice-directeur de l'Organisation mondiale de la santé. Daniel Trujillo, qui représente Walmart, le département de l'éthique et de la compliance, Guyane Marcel de Resilience Capital Ventures LLC. Ensuite, Monsieur Mukisha Kitui, secrétaire général de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Et à la fin, Monsieur Edward Anderson, CIO et directeur du département de technologie d'information au Fonds monétaire international. Nous sommes maintenant au cœur de la pandémie. Les économies de tous les pays ont été très impactées, très affectées par la pandémie COVID-19. La conséquence, c'est que nous ne pouvons pas nous rencontrer personnellement. Nous utilisons donc les technologies numériques et ces technologies, bien sûr, peuvent donc réduire les effets négatifs, nuisibles, peuvent aussi nous donner plus de travail à distance, peuvent augmenter aussi le volume du commerce effectué à distance. Mais bien sûr, cela peut aussi éveiller des inquiétudes qui sont liées à la sécurité, par exemple. Donc, il y a quelques éléments à peine que je viens de mentionner. Le secrétaire général, Monsieur Guterres, a pris un engagement, comme vous savez, qu'avant la fin de l'année, qu'on établisse la feuille de route de la coopération numérique. C'est un document qui aura une grande importance qui sera vraiment essentielle pour créer de meilleures relations numériques partout dans le monde. C'est pourquoi nous avons donc prévu ce panel de personnes de haut niveau pour parler du rôle de l'Internet et des politiques numériques, politiques publiques numériques. Nous allons donc poser la question, quel sera leur rôle dans la relance économique après la pandémie? Et quelles sont les améliorations dont nous avons besoin dans l'avenir? Maintenant, je m'adresse à chacun des panélistes pour qu'ils mettent l'un après l'autre leur caméra, leur son, pour qu'on puisse donc commencer notre discussion. Vous avez au maximum 3 minutes pour répondre à chaque question. La première question à Monsieur Harrison de l'Union africaine. Je me demande comment COVID-19 a impacté l'économie des pays de l'Union africaine et quelles sont, selon vous, les politiques concernant l'utilisation de technologies numériques pour
diminuer l'impact négatif de cette pandémie sur l'économie et quelles sont les solutions qui devraient être considérées comme le plus prioritaire? Voilà, prioritaire, c'est un mot difficile pour un Italien que je suis. Merci, Monsieur le Président. Merci, le Président. Bonjour tout le monde. La pandémie COVID-19 a des effets importants socio-économiques aussi en Afrique. En ce qui concerne l'impact économique, il faudrait distinguer donc ici la récession 4,9%. 4,9 à 2,1%, donc ce sont les estimations faites sur notre continent. La perte en moins en ce qui concerne en dollars, c'est 65 milliards. Ce sont les pertes dans les échanges internationaux et la baisse de prix de beaucoup de biens. Une inflation en hausse, ensuite les pertes de revenus publics et aussi en ce qui concerne les sources de financement externe et le soutien pour les pays africains. De l'autre côté, les dépenses publiques augmentent suite au coût plus grand de santé, de soins de santé qui sont nécessaires pour répondre à la pandémie. À cela s'ajoute la crise alimentaire qui a fait diminuer la production alimentaire entre 2,6 et 7%, le ralentissement de la production alimentaire, l'affaiblissement du secteur privé qui est vraiment le levier de la croissance. Je parle ici aussi du tourisme, de l'agriculture, de la production de denrées alimentaires. Toutes ces filières ont été affectées par la pandémie. La pandémie a donc eu un grand impact non seulement sur la santé, mais aussi a aggravé les problèmes sociaux qui finalement donnent lieu à la pauvreté, à la perte d'emploi, au risque de la faim. Notre direction pour les questions socio-économiques, cette année, en octobre, a publié un rapport concernant les conséquences socio-économiques de la pandémie COVID-19 en Afrique. Nous avons inclus un paragraphe, une partie concernant l'utilisation de la digitalisation qui pourrait répondre à beaucoup de questions. Donc, les politiques basées sur l'utilisation des technologies numériques en Afrique devraient donc apporter de bénéfices comparables à la révolution industrielle. C'est donc la stratégie que nous voyons, c'est donc la stratégie telle que nous la voyons pour l'Afrique pour les années 2020-2025. Pour la Banque mondiale, la réalisation de cet objectif concernant l'Internet bon marché en Afrique, on pourrait donc augmenter le PIB en Afrique de 2%. Et l'apparition de zones numériques a déjà fait apparaître beaucoup d'opportunités importantes qui pourraient nous permettre de répondre aux besoins en transformation économique en Afrique. Je vous donne quelques exemples de ces initiatives. Donc, tout d'abord, la digitalisation qui se passe assez bien au Nigeria, au Ghana, et permet aussi d'améliorer le soin de santé à Cameroun, à Kenya. Et en réponse à COVID-19, beaucoup de pays ont commencé à utiliser les technologies pour suivre la vulgarisation du coronavirus. Le Madagascar a créé une plateforme numérique permettant d'identifier et de suivre de façon vraiment efficace les cas de contagion et contamination. Et ensuite, l'éducation qui a aussi subi des effets positifs de cette numérisation, par exemple en Afrique du Sud et en Égypte. Il y a aussi des services
numériques qui aussi se sont développées en Afrique, ce qui a permis aussi une meilleure inclusion, intégration numérique. C'est notre projet phare pour le plan pour l'Afrique. Donc, ça sera fait aussi à partir de janvier 2021. Cette zone numérique, normalement, doit permettre d'augmenter les échanges commerciaux de 15 à 25%. Elle doit normalement améliorer la coopération économique et aussi a le potentiel de créer une plateforme permettant les échanges numériques, ce qui peut vraiment être le fait générateur, le levier de la transformation économique en Afrique, qui reste toujours sous-exploitée. Je vous remercie. Voilà, donc vous venez de nous montrer quelques exemples concernant les solutions numériques bien concrètes pour répondre à certains problèmes qui touchent l'Afrique. Je parle ici notamment de la famine, de la crise alimentaire, mais il me semble qu'en Allemagne, la situation est complètement différente. Mais les difficultés sont différentes. Donc voilà, je donne la parole à Daniela pour qu'elle nous dise comment la pandémie a impacté l'Allemagne et quelles sont les technologies et les solutions numériques que vous prévoyez, comment ces solutions pourraient vous être utiles pour lutter contre la pandémie. Donc bonjour, merci. Je pense que nous pouvons dire que pour nous en Allemagne, a fait développer certains phénomènes inattendus, non voulus, dans différents domaines de la vie. L'opérateur du réseau Internet le plus grand en Allemagne, qui est placé à Francfort, et le transfert de données a largement augmenté suite à des conférences, visioconférences qui sont organisées, qui ont accru de 120%, donc c'est 1,7 terabytes par seconde maintenant. Donc voilà, nous n'avons pas subi de catastrophe, heureusement, liée à notre infrastructure numérique pendant la pandémie, mais quand même, le virus a montré aussi certains déficits, certains manques que nous avons aussi en Allemagne. Mais ce qui me paraît le plus important, c'est que la crise. C'est que la crise a donné une grande priorité aux stratégies et aux technologies numériques. La crise aussi a obligé les petites et moyennes entreprises à améliorer leur stabilité, efficacité financière. Notre gouvernement a donné un appui, un soutien supplémentaire à comme différents allègements fiscaux, adressés notamment aux petites et moyennes entreprises. De plus en plus de personnes attendre que chaque service pourrait être accessible à distance. C'est aussi l'attente de la part des entreprises. C'est donc une solution que nous allons soutenir avec la nouvelle loi qui est relative aux solutions numériques. Et bien sûr, le suivi des contacts, c'est aussi essentiel, c'est pour contrôler la pandémie. Ceci ne serait pas possible sans le développement de technologies numériques. Nous avons une application concernant le coronavirus qui fait une alerte. C'est un très bon exemple pour montrer comment les technologies numériques peuvent être utiles pour lutter contre la pandémie. Mais la condition nécessaire pour cela, c'est que la population fasse confiance en ces solutions. C'est pourquoi il faut assurer le respect de la vie privée, la confidentialité des données. Donc, il faut aussi que ça soit accessible pour tout le monde, que tout le monde s'en serve. Plus de 80 millions de personnes en Allemagne utilisent cette application d'alerte et toutes les 2 secondes, elle est téléchargée de l'un des serveurs. C'est à peine maintenant que nous commençons à utiliser ce grand potentiel de l'éducation numérique. Cette expérience que nous avons acquise grâce à la pandémie nous a montré que l'éducation numérique est non seulement possible, mais qu'elle a aussi du sens.
Donc, bien sûr, nous avons dû faire face à différents problèmes, difficultés économiques liées à la crise, mais maintenant, nous sommes beaucoup plus optimistes. Devant l'an 2021, nous attendons aussi une croissance économique de 4,4% en Allemagne l'année prochaine. Je vous remercie. Merci, Daniela. Tu as dit que de plus en plus de personnes s'attendent à ce que tous les services soient numérisés sur le numérique. Donc, maintenant, voilà, ça c'est l'avenir, je pense. Et maintenant, je m'intéresse à Armida Sals et à Alicia Bana, qui est sous-secrétaire générale des Nations Unies, qui est en charge de l'Asie-Pacifique. C'est la région qui est vraiment en première ligne en ce qui concerne les innovations numériques, mais c'est aussi la région où cette fracture numérique augmente, où les différences, les inégalités sont de plus en plus visibles. Il y a aussi de nouvelles fractures fossées qui se créent que la pandémie a encore approfondies. Donc la question est assez simple. Est-ce que tu peux nous dire plus sur cette région dans le contexte de la fracture numérique? Quels sont les plans pour résoudre ce problème? Merci Marco pour cette question. Bonjour, soyez bienvenus. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je vais répondre d'abord à la question. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne notre région. Donc, notre région Asie-Pacifique est très diversifiée, mais aussi, il évolue énormément, de façon très dynamique. Donc, en ce qui concerne la fracture numérique, ou l'accessibilité de l'Internet, ce caractère spécifique de notre région consiste à ce que nous ayons trois vitesses pour ce qui concerne l'accès à Internet. Donc, il y a des pays qui sont vraiment bien développés, donc où il y a des économies bien développées. Ensuite, nous avons deux pays qui sont, bon, ce sont les pays qui sont de pionnières, même on peut dire, dans le contexte des technologies numériques. Et dans ces pays, le réseau qui est accessible là-bas, c'est non seulement 4G, mais 5G, mais on commence même à avoir 6G. Et l'utilisation de cette communication mobile est vraiment très répandue, c'est assez bon marché, c'est très fiable. Donc l'accès à l'Internet existe vraiment. À part cela, il y a des pays qui ont un revenu moyen. C'est la plupart des pays de notre région. C'est le groupe d'un faible et moyen revenu. Il y en a qui sont bon, un peu plus riches, mais quand même, c'est toujours à peu près moyen. Ici, on voit il y a une bonne dynamique pour fermer cette fracture numérique, mais quand même, certaines inégalités existent toujours dans le cadre de différents pays. Donc, cette différence d'accès existe toujours. Et puis, il y a le troisième groupe de pays. Ce sont les pays où l'accès à l'Internet est assez limité. Environ 2,3 milliards de personnes restent avec l'accès pas tout à fait bon, 4,6 milliards, ça c'est la population totale, donc ça veut dire que la moitié n'ont pas d'accès à l'Internet. Il y a donc des pays, ce sont les pays qui sont plutôt moins développés ou qui sont en voie de développement, où l'accès à l'Internet à bande large est trop coûteux pour la majorité des habitants. Et maintenant, pour passer aux solutions, bien sûr, nous devons donc maintenant faire face à cette fracture numérique. Ceci est devenu particulièrement important actuellement face à la pandémie. Donc, cette politique est prioritaire. Comment donc combler cette fracture numérique? Comment le faire aussi dans le cadre de la relance après la pandémie? Parce qu'il y a différents paquets d'aide, d'assistance, de soutien. Il me semble aussi que ça devrait être considéré de façon prioritaire pour
créer ces infrastructures, pour bâtir les infrastructures numériques. Je parle ici du matériel et du logiciel. Beaucoup de pays de notre région doivent lutter pour avoir de grands investissements, planifier ces investissements pour créer les réseaux de nouvelles générations, de générations qui vont venir, parce que sinon, ce pays seront délaissés, seront vraiment en arrière et devront rattraper beaucoup de choses. Alors, comment encourager à mettre en place les modèles business innovants, y compris ceux qui sont en faveur de solutions numériques? Donc, ici, comment aussi étalonner ce type de solutions, comment étalonner l'éducation, la formation des compétences numériques pendant Merci l'apprentissage beaucoup. de toute la vie. Merci. Nous venons d'entendre des chiffres assez effrayants. 2,3 milliards de personnes qui pratiquement restent en dehors du réseau, qui sont offline. Ceci signifie que nous avons affaire à des citoyens qui sont en situation différente. Maintenant, l'intervenant suivant, Monsieur He, il y a une telle conviction que l'on se concentre surtout sur les aspects plus monétaires et financiers que la meilleure qualité de la vie. Est-ce qu'il y a une méthode pour que le commerce contribue au progrès pour en même temps limiter les effets économiques de la pandémie? Comment faire pour que le commerce soit plus favorable au développement de notre planète et comment utiliser les outils numériques pour cela? Merci beaucoup. Au sein de l'Organisation mondiale du commerce, nous savons que les technologies numériques sont indispensables dans le monde des affaires. La crise actuelle n'a fait que confirmer cette conviction. Elle l'a même renforcée. L'OMC a observé que l'impact de la pandémie s'est avéré très répandu. Le commerce mondial a tout de même déjà avant la pandémie, c'est vrai, en ce qui concerne les valeurs en dollars de 21% dans le deuxième trimestre de l'année 2020 à comparer avec l'année précédente. Le taux de service a diminué de 20%. Les canaux de distribution ont eux aussi été perturbés. Qui plus est, les priorités commerciales se sont concentrées sur les denrées les plus nécessaires. Il y a de plus en plus de commerce en ligne, en fait. En ce qui concerne maintenant l'échange de services, eh bien, c'est surtout le tourisme qui en a souffert le plus pour des raisons évidentes liées à la pandémie. En même temps, nous avons plus besoin de ces les conférences vidéo, le e-learning, la télémédecine, mais aussi le divertissement en ligne est devenu indispensable pour nos citoyens. C'est pour cela que la pandémie et ses effets se réfèrent à différents aspects de notre travail au sein de l'OMC. Nos pays membres travaillent ensemble pour soutenir les investissements pour construire l'infrastructure indispensable, favorable au plus commercial. Ici, je parle du commerce en ligne et nous essayons aussi d'encourager les PME à entrer dans ce monde du e-commerce. Notre travail dans ce domaine est réalisé en tenant compte du fait que le commerce doit favoriser le développement économique aussi dans les pays en développement lors de la pandémie. Merci beaucoup. Merci. Nous avons maintenant un instant pour se retrouver dans un monde tout à fait différent. En partant de l'OMC, le juge du commerce international, nous passons maintenant
maintenant à Daniel Trujillo, qui est l'un des vice-présidents de Walmart. C'est, je crois, l'un des grands réseaux d'hypermarchés dans le monde entier. Je voudrais savoir comment, selon vous, la pandémie COVID-19 a-t-elle eu un impact sur votre fonctionnement? Notre journal La Stampa a écrit une fois que vous avez de plus en plus d'effectifs dans vos supermarchés, que vous avez moins de robots en fait, travaillant pour vous. Bon, quelle est votre réponse à la crise pandémique? Bonjour, bonjour. Merci de m'avoir donné l'occasion de faire ma présentation dans ce groupe d'intervenants. Je voudrais me référer ici à trois aspects importants. Premièrement, les défis liés à la gestion en ligne. Je vais aussi parler des licences et des autorisations parce que la pandémie du COVID nous a montré de gros défis en ce qui concerne la numérisation des services gouvernementaux. En grande mesure, ils ont été paralysés lors de ce confinement parce que nous étions basés jusqu'à maintenant sur les solutions sur papier. Mais le COVID nous a l'on peut accélérer de façon considérable et assurer un passage rapide vers les services électroniques. De notre expérience dans le secteur privé, résulte que nos clients et nos fournisseurs ont pu vite trouver des manières d'accélération de cette numérisation pour proposer leurs services à nos clients. Nous savons que c'est possible. Donc maintenant, nous essayons d'agir le plus vite possible. En ce qui concerne les permis et les licences, eh bien, bien sûr, ce dont on aura besoin, il faudra numériser ces solutions-là en leur donnant une plus grande priorité. Il y a plusieurs raisons pour quoi cela doit se faire. Premièrement, des encouragements de tout genre et un financement gouvernemental, eux, ils ont leurs limites. Ils ont atteint leurs limites. Donc, ce dont nous avons besoin maintenant, ce sont des investissements financés par le secteur privé. Et c'est ça qui a été rendu visible par la pandémie, que l'on avait des retards dans ce domaine. Donc, nous essayons maintenant de créer de nouvelles initiatives de ce genre. Et deuxièmement, les systèmes de licences et de permis concernent aussi le marché de l'immobilier privé et commercial. Donc, chaque entreprise qui veut se développer doit en tenir compte. Donc, la numérisation de ce genre de services se réfère à un très grand nombre d'usagers, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Ceci signifie que c'est un bon point de départ pour l'introduction dans une économie numérique. Ce type de système de permis, historiquement, ont toujours été heurtés à des problèmes de corruption, tandis que la numérisation pourrait augmenter l'objectivisme de ce processus en réduisant la corruption et en augmentant la transparence et la responsabilité. En parlant, la digitalisation de ce système de permis devrait constituer une priorité dans le processus de reconstruction et de relance après l'époque du COVID. C'est une question clé. Il doit être la question la plus importante, aussi bien pour le secteur privé que le secteur public. Merci. Donc, les gouvernements et les institutions publiques peuvent faire beaucoup. Maintenant, je donne la parole au secrétaire général, ma question est la suivante. Comment l'utilisation des technologies pourrait nous donner des solutions pour atténuer cette urgence liée au comblement de la fracture numérique? Mais il y a aussi une question sur le chat. Comment se présente la question concernant les impôts globaux? Est-ce que vous pouvez
monter cela, oui, merci. Je voudrais remercier nos intervenants pour ces idées rafraîchissantes qu'ils ont partagées avec nous en gérant des questions éthiques et les défis pratiques pour les gouvernements. Nous essayons maintenant de voir quels sont les défis internes qui résultent de la pandémie même et comment la pandémie peut-elle renforcer les défis déjà existants. Tout ceci résulte d'autres domaines, de grandes entreprises qui possèdent de grandes plateformes sont devenues les plus gros bénéficiaires économiques lors de la pandémie. Donc, celui d'index JD a augmenté de 100%. Amazon, Apple et eBay ou bien Microsoft ou bien Alibaba, leurs affaires augmentent de 40 à 50%. Donc, nous n'avons aucun doute là-dessus que la menace pour les uns est devenue un vrai don pour les business numériques. Nous avons fait un défi principal, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été préparés à cette économie numérique restent encore plus derrière et ont plus à rattraper. Nous avons réalisé une enquête dans 23 pays en développement en demandant aux entreprises et les gouvernements quels étaient les principaux défis liés à l'augmentation de l'importance l'inclusion et du business numérique lors de la pandémie. 50% des répondants du monde des entreprises nous ont dit qu'il s'agissait du coût élevé des services fournis sur Internet au débit qui était déjà existant avant la pandémie. On parle ici surtout du transfert du business en ligne. La deuxième chose, dans les pays où les gouvernements ne soutiennent pas les priorités liées au commerce en ligne, nous avons toujours des problèmes d'infrastructures de type dinosaure. Il y a un manque de cadre politique, de politique claire, notamment dans le domaine fiscal. Le domaine fiscal n'a jamais été soulevé dans ce domaine, vu la pression qui est grande et vu le fait que les organes fiscaux dans plusieurs pays veulent augmenter leurs revenus, donc ils imposent beaucoup plus d'impôts sur le business numérique. Il ne s'agit pas seulement de manque de soutien, mais à part cela, les startups numériques ont un départ difficile dans leur activité vu la fiscalité imposée sur ce genre d'entreprise. Nous sommes conscients que le commerce international, je suis de l'Afrique de l'Est où nous avons une bonne capacité d'obtenir les produits en ligne et vu le manque de protocoles de transport transfrontalier, c'est un problème pour les biens achetés sur voie électronique. Par exemple, sur la frontière avec l'Ouganda, il y a des chaînes de 50 km vu le fait que les procédures liées au protocole sanitaire ne sont pas claires, mais aussi les protections de douane ne sont pas claires. Donc, il faut vraiment gérer ça. Je voudrais maintenant revenir à la situation qui est directement liée à la question fiscale. Nous savons ce qui s'est passé en 2019. On parlait à l'époque de manque d'égalité, on parlait de rupture numérique, on parlait de solutions différentes. Ceci signifie que, bon, on peut se poser la question, qu'est-ce que pourrait être fait par les consommateurs aussi dans le contexte du développement de tout type de services, surtout ceux qui apparaissent dans le domaine numérique. C'est en grande mesure lié à la situation actuelle. Donc, ceci signifie qu'il faut tenir compte de ce débat et ce débat doit aussi être lié à la pression que l'on observe
ministères, nous parlons de l'OMS, on parle de compétitivité numérique. Et à part cela, ça nous mène au fait que la gouvernance de l'Internet est vraiment éparpillée, fragmentée. Mais il y a beaucoup d'autres questions qui nous permettraient d'appliquer la règle administrative des paquets du numérique pour l'achat de certains produits, comment ça se présente dans certains pays, comment se présente la fiscalité dans certains pays pour les produits importés, quels sont les défis liés à la valeur de ce qui est monétisé par les entreprises sur les plateformes numériques. Ça, ça doit être un avantage, ça doit constituer un avantage pour notre société. À part cela, ce qui apparaît, c'est la question de douane, des droits de douane aux frontières. Donc, ce débat nous mène au point où nous considérons que les conditions ne sont pas adaptées à la perspective de développement. Nous avons de plus en plus de voix disant qu'il faut vraiment rattraper cet écart, ce grand écart, oui. Atténuer les différences. Merci, merci beaucoup. Ce que tu viens de dire sur les droits de douane numérique, c'est quelque chose de très important parce que ça dépend en grande mesure de l'éducation numérique. Donc, on parle du début et de la fin de la même histoire en même temps. Donc, sans doute, nous avons besoin d'un effort public commun, mais à part cela, nous avons besoin d'investissement. Docteur Mastel, la présidente Co-Resilient Capital Ventures. Votre tâche est de garantir le taux d'investissement approprié sur les marchés émergents et le soutien d'une meilleure vie pour chacun et le développement, la croissance. Est-ce que vous pourriez nous dire comment la technologie numérique, du point de vue de l'aide aux autres pays, si je parle surtout des marchés émergents et ceux qui sont plus défavorisés dans le contexte de cette pandémie peuvent être réalisés. Oui, j'espère que vous m'entendez bien. Eh bien, je voudrais vous remercier beaucoup. Remercier aussi les autres intervenants qui ont très bien introduit le sujet sur différents volets concernant notre activité. En parlant de l'investissement, je voudrais avancer quelques arguments. C'est-à-dire, premièrement, COVID-19 nous a permis de clairement identifier les différences structurelles, la différenciation structurelle dans le monde entier. La crise économique liée au COVID-19 ne traite pas ces États à un pied d'égalité. Par exemple, les pays qui sont des pays émergents, qui n'avaient pas vraiment participé au développement de l'économie numérique, pour eux, la situation est devenue plus grave que dans d'autres pays. Donc, le fait de départager l'économie numérique de l'économie réelle a pu être ressenti aussi dans de tels pays que les pays de l'Europe ou la Grande-Bretagne. Surtout aux États-Unis, et le secrétaire général m'a d'ailleurs demandé de se référer. Lorsque nous parlons de cette division entre les grands acteurs de l'économie numérique, qui ont observé par exemple une grande augmentation de leur valeur du marché, et en même temps, d'autre part, il y a une grande crise qui est de plus en plus profonde dans d'autres parties de l'économie. Noté au niveau global. Ce que nous voyons dans le monde entier, c'est que la crise nous a montré très clairement un manque structurel d'équilibre dans le monde entier. Je dois aussi admettre qu'il y a des raisons pour être optimiste parce que nous observons de gros flux de fonds d'investissement, des allocations des capitaux vers des domaines différents. Donc, ma recommandation concernant la politique est la suivante, c'est-à-dire que nous n'observons pas vraiment d'accélération pour ce qui
les finances mixtes. Je parle de financement mixte, c'est-à-dire qu'il s'agit non seulement de coopération entre le secteur public et privé, mais ce qui est important, c'est de souligner d'autres formes de capitaux que le capital financier. Si cette approche, si on observait une telle approche, peut-être l'ONU pourrait être le parrain de cette initiative ou d'autres organisations. Ainsi, l'on pourrait gérer la situation. Même avant COVID-19, la majorité des technologies ont été construites avec la participation de la société. Il faut voir ce qui s'est passé par le passé, voir ce qui manque. De connexion avec l'IT, ou bien est-ce qu'il manque de relation avec la société? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que nous avons loupé pendant les 20 dernières années? Nous n'avons pas anticipé en fait, certaines fêtes, nous n'avons pas prévu qu'un tel écart numérique allait apparaître. Personne n'avait parlé encore d'écart lié au genre. Les méthodes à travers lesquelles cette fracture numérique se manifeste ne sont pas neutres pour ce qui est le genre. Et donc, dans le passé, l'on a pu être plus proactif, introduire des solutions plus actives pour inclure certains groupes sociaux plus délaissés dans ce système. Encore une question, je suis très encouragée en voyant beaucoup de formes de partenariat. Surtout, je parle ici de cette coalition d'économie verte qui se concentre sur la possibilité de garantir les fonds nécessaires pour qu'ils soient introduits adéquatement dans les pays en développement avec des bases appropriées pour prendre en compte aussi les questions d'inclusion. Donc, d'une part, nous avons affaire à de la crise, mais si réellement nous allons agir de façon intense, l'on pourra en tirer beaucoup de leçons et créer des lignes politiques qui vraiment vont être accélérés. Voilà, donc c'est un bon moment pour vraiment parler ici du fonds monétaire, donc du rôle de la technologie, donc du rôle des technologies qui jouent dans cette crise. Nous avons donc changé la façon dont nous travaillons. Nous travaillons notamment à distance depuis notre domicile, donc nous avons de nouvelles relations. Alors, comment la technologie peut nous aider dans tout cela? Donc, merci Marco. Merci à tous les panélistes. En tant que directeur exécutif de INF, je voudrais dire que la digitalisation et la numérisation est un grand vainqueur de cette crise. Donc, tout d'abord, les pays ont dû diminuer le nombre de différents moyens de confinement et doivent aussi se rétablir après la crise. Donc, il faut qu'ils construisent leur économie plus résiliente. Donc, ici, l'Internet joue de rôles très variés dans différentes phases, comme ceci a été dit. Ceci est lié, par exemple, avec l'accès à l'Internet et aussi aux possibilités de services, éducation, mais aussi le paiement numérique. Beaucoup de pays les moins développés ont observé que ceci est nécessaire pour pouvoir sortir de la crise et être plus résilient devant d'autres crises qui vont apparaître dans l'avenir. Voilà, il y a aussi bien sûr certains risques liés aux limitations. Et la technologie ne peut pas aider tout le monde de la même manière. Nous avons donc vu un impact négatif. Même ceux qui ont de l'accès à l'Internet peuvent donc se permettre beaucoup de choses. Ce sont ceux qui savent utiliser les choses. Donc maintenant, différents pays doivent concentrer leurs efforts
pour assurer l'accès à ces populations qui sont le plus difficilement accessibles aussi en termes physiques. Et aussi, cela concerne ceux qui ont des capacités plutôt limitées en ce qui concerne l'utilisation des solutions technologiques numériques. Et aussi, il faut dire que parfois, on travaille où il est impossible de travailler à distance. C'est aussi un élément qu'il faut prendre en compte. Bien souvent, les femmes, par exemple, s'occupaient des enfants, comme à Togo ou au Pakistan, se sont rendues compte que voilà, ils ont commencé à utiliser le téléphone mobile pour assurer les virements bancaires, les virements financiers pour les femmes. Et finalement, une plus grande digitalisation, numérisation, plus de services numériques qui apportent plus de risques numériques. Une bonne gestion de risques numériques. Nous, en tant que secteur public, privé, nous sommes responsables pour réaliser les tâches, pour créer un nouveau monde qui sera puissant et qui sera vraiment durable et égalisé. Nous devons aussi empêcher la nouvelle fracture numérique et ne pas permettre que le nombre très restreint de sociétés technologiques disposent de la majorité de capitaux dans ce sens. Merci. Voilà, on manque un peu de temps, mais j'espère que pour l'instant, ce retard est plutôt accepté. Tu as dit que le vainqueur le plus grand de cette crise, c'est le secteur numérique, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que tu as parlé quand même de problèmes, et donc je vous invite maintenant à réfléchir sur le rôle de l'Internet et aussi la politique publique numérique, pour essayer de résoudre les problèmes contre lesquels nous luttons aussi. Mais nous voyons combien il y a des personnes qui n'ont pas d'accès à l'Internet, même ici, dans ma ville. J'ai un collègue qui doit venir au bureau chaque jour parce que dans le quartier où il habite, l'accès à Internet donc est très faible. Je parle ici de l'Italie, du nord d'Italie, ou quand même donc la région qui est plutôt riche. Donc je vais essayer. Je voudrais vous demander quand même de respecter la limite de 3 minutes. Je commence encore une fois par Monsieur Harrison de l'Union africaine. Donc vous avez entendu ce qui a été dit. Qu'est-ce que vous pourrez dire à toutes les parties prenantes, à toutes les organisations? Donc, je pense que, voilà, qu'est-ce que vous pourrez leur dire pour qu'ils vous aident à assurer cette relance économique? Est-ce qu'il y a vraiment un remède qui pourrait être utile pour l'Afrique? Donc, pour ceux qui concernent la zone de coopération IGP, je voudrais donc parler de 3 questions qui sont particulièrement importantes. La première concerne notre structure, donc le développement de la digitalisation. Ne peut pas atteindre le succès si l'Afrique ne remplit pas ce déficit concernant l'infrastructure numérique. Mais vous savez que les investissements sont réalisés. Le deuxième point, c'est l'éducation. Les systèmes d'éducation doivent être transformés en programme éducatif et de formation en ce qui concerne les capacités numériques de base. Il faut que cela soit garanti. Donc, il faut garantir le développement de ces capacités aussi bien auprès des jeunes qu'auprès de personnes plus âgées, notamment après la fin de la pandémie.
dans ces zones, dans ce secteur, en fait, les capacités numériques seront vraiment primordiales pour pouvoir travailler dans différents métiers et professions. Ensuite, la question macroéconomique, donc il y a différentes solutions fiscales. Les technologies numériques doivent aussi être mises en place dans les solutions macroéconomiques et fiscales pour assurer le solutions fiscales nécessaires pour la transformation macroéconomique sur le continent. Comme je l'ai dit avant, la transformation fiscale est numérique, pardon, et ça est adapté et créé pour l'Afrique. Beaucoup d'initiatives différentes ont été appliquées pour pouvoir utiliser des solutions de la technologie numérique. Et aussi introduire la transformation pour vulgariser l'intégration de l'Afrique, pour qu'elle puisse bénéficier du développement économique, pour qu'on puisse avoir plus d'emplois, aussi pour qu'on puisse combler la fracture numérique et aussi liquider la pauvreté, pour que tout simplement cette révolution numérique puisse être profitable à la population. Dans ce sens, le développement de la coopération entre différentes parties prenantes devrait être un élément de ce cadre qui doit permettre la réalisation de différentes initiatives. Le cadre pour la coopération entre les parties prenantes doit être lié à cette stratégie continentale et doit être poursuivi dans le contexte des initiatives qui sont réalisées. Merci. Merci. Nous voyons que le problème africain est très significatif. Et en Allemagne et dans d'autres pays européens, différents problèmes apparaissent. Dans le domaine, dans l'époque de coronavirus. Nous voyons donc cette baisse de PIB et on n'a pas connu un échec en Allemagne. Donc en Allemagne, quand même, tout n'a pas été fait complètement, très très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le high-tech que vous n'avez pas fait? Quelle est l'expérience que vous avez pu voir pendant ce mois très difficile? Merci. Il y avait donc des problèmes économiques. Il est très difficile d'évaluer comment les choses vont se dérouler dans la semaine ou le mois à venir. Et ceci est lié au fait que le gouvernement allemand a réagi très rapidement, notamment pour savoir comment aider les sociétés qui ont été particulièrement affectées par la crise, notamment dans le sens des emplois, pour sauver les emplois. Donc, il y avait un paquet d'assistance qui a été proposé par le gouvernement, vraiment historique, on peut dire, vu sa taille. Comme c'était le premier pas, la première étape, nous avons après donc décidé d'investir dans les technologies du futur. Le docteur Massal l'a demandé et c'est pourquoi il faut donc investir dans les technologies du futur. Nous parlons ici de technologies vertes, mais aussi de technologies numériques. Donc, différentes technologies numériques et dans le réseau compétitif du réseau de l'intelligence artificielle. Nous parlons par exemple des investissements dans le réseau 5G et par exemple la communication, la robotisation aussi dans l'administration publique. Vous avez mentionné qu'il était très important que les citoyens puissent utiliser le service numérique public. C'est quelque chose que nous développons, que c'est aussi une expérience que nous sommes en train d'acquérir et nous sommes persuadés que les Allemands, après la crise, pourront aussi le faire dans l'avenir. Je vous remercie.
Oui, bien sûr, les investissements peuvent être vraiment une solution très bonne, mais en même temps, il faut quand même savoir comment le faire pour qu'on puisse savoir où on peut investir l'argent. Parce qu'on peut avoir bien sûr des projets, mais quand même, si on ne sait pas comment investir cet argent, il n'y aura pas vraiment d'effet souhaité. Armida, Alishabana. Donc, on a parlé de projet. Est-ce que vous pouvez donc partager avec nous les projets que vous réalisez pour assurer l'impact dans cette révolution numérique? Qu'est-ce que vous avez vu par rapport à ce que l'Allemagne a écrit? Voilà, merci pour cette question. En ce qui concerne les initiatives que ESCAP soutient dans différents États membres et auprès de parties prenantes dans notre région, je peux partager avec vous quelques solutions. Par exemple, à la demande de pays des îles sur le Pacifique, nous savons que le Pacifique fait partie aussi de cette région Asie-Pacifique. Donc, nous savons que ces îles, nous savons que là, c'est. Donc, l'ESCAP a voulu faire une étude très détaillée. Donc, pour avoir donc, le point de Fidji Samoa et Nouvelle-Zélande, pour avoir le point d'interconnexion d'Internet, cela nous a permis d'améliorer l'accès à l'Internet. Et la qualité donc de l'Internet dans d'autres pays aussi, cela pourrait être donc très utile aussi pour d'autres pays dans notre région. Et aussi pour faciliter la coopération transfrontalière. Et cela sera en vigueur à partir de 2022. La question est de savoir non seulement comment faire les échanges commerciaux, mais aussi comment réaliser les échanges numériques avec les documents nécessaires. Donc, tout est numérique. Pour cette raison, voilà, donc il y aura donc une baisse de coûts commerciaux. Donc, il s'agit de 10 à 30 %, ce qui pourra être utile pour les échanges commerciaux après la digitalisation de certains efforts bien particuliers liés au réseau asiatique. On parle ici de connexion de transport. Ça s'appelle Asian Highway Network. Et nous, donc, devons savoir comment assurer ce transport continu de marchandises en dehors de frontières. C'est pourquoi nous devons répondre comment ce processus peut être digitalisé pour que les marchandises puissent être transportées sans problème entre les frontières. Et voilà, ce sont les choses que nous travaillons ensemble avec les pays et les États membres, notamment pour travailler les solutions pour la période après la pandémie. C'est la façon dont nous pouvons soutenir les solutions et améliorer les échanges commerciaux entre ces pays. Merci, Madame la Secrétaire. Ce sont les solutions dont nous avons besoin, notamment pour les pays qui paraissent éloignés comme Fidji, mais ça doit quand même se faire. La quatrième révolution industrielle pendant laquelle nous vivons a été perturbée par le COVID-19, hein, c'est pourquoi il est devenu nécessaire de trouver des solutions de problèmes importants
Donc, il s'agit notamment de la gestion des données. L'économie de données actuelle, bien sûr, est basée sur les données. Les données sont de plus en plus nombreuses. Et Monsieur Hi, la question à vous. Monsieur Hi, envoie l'Organisation mondiale du commerce. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre comment protéger ces données, comment gérer ces données? Parce que ici, il y a différents problèmes concernant nous avons donc besoin de du capital. Donc pour cela, donc nous serons reconnaissants pour toutes les remarques. Merci Marco pour cette question. La discussion au sein de l'Organisation mondiale du commerce a commencé au moment où la crise sanitaire a commencé. Nous avons donc essayé de comprendre quels étaient les risques liés au transfert de données dans ce temps de crise et toutes les discussions concernant le commerce sont devenues prioritaires. Donc, la croissance des transactions par Internet a fait renforcer donc la chaîne, notamment pour des sociétés, pour des réseaux, pour de petites et moyennes sociétés. Et donc, nos membres sont engagés dans les pourparlers concernant les nouvelles règles de commerce. Nous parlons aussi de la sécurité cybernétique, de règles de ce type. Nous travaillons aussi avec cette idée d'avoir des solutions qui pourraient être utiles pour le commerce. Ces discussions doivent être réalisées en partenariat et doivent aussi prendre en compte différentes parties prenantes. Toutes ces discussions concernant le e-commerce sont devenues plus urgentes. Suite à la pandémie, nous avons donc fait le dialogue avec le secteur privé, avec les organisations non gouvernementales, avec les associations de consommateurs. Nous avons donc fait différents ateliers et différents sujets ont été traités, en commençant par la gestion des données et aussi la santé. La pandémie a montré combien il était important d'assurer cette durabilité de l'économie, mais aussi a montré de nouveaux défis qui sont devant nous. Il est devenu tout à fait clair que les pays en voie de développement ont besoin de ceci beaucoup plus. Donc, d'avoir cette connexion, d'avoir cet accès. Donc, nous assurons aussi, bien sûr, les services de communication. Cela nécessitera qu'on travaille vraiment main dans la main. Merci. Merci beaucoup. Nous avons parlé du rôle de l'administration publique. Il semble que la plupart des panélistes sont conscients que les choses ne vont pas comme elles devraient. Monsieur Hill, vous représentez le marché privé. Vous avez dit qu'il était vraiment important d'instaurer un processus numérique de délivrance de permis et de licences. Ça nous permettrait de mieux gérer la pandémie. Mais comment le faire? Comment vous le voyez de votre propre perspective, de la perspective de votre grande entreprise? Merci de cette question. La première chose, c'est que ça doit se faire de façon simple. La contrainte principale pour ce qui est de l'acceptation des changements par les gouvernements, c'est que ces changements sont souvent coûteux et prennent du temps. Donc, une fois le travail de base en termes numériques rapidement, les améliorations conséquentes seront beaucoup plus faciles à appliquer. Deuxièmement, les chefs d'État, lors de l'ancien sommet, le dernier sommet d'Amérique, se sont engagés à appliquer des pratiques de coordination. Chez nous, aux États-Unis, ce genre de dialogue a été instauré dans le cadre d'un dialogue multilatéral, c'est coordonné. D'en haut, nous avons élaboré 5 meilleures pratiques. Premièrement, tout doit se faire en ligne
même les paiements et le renouvellement des permis doivent se faire en ligne. Nous avons une fenêtre numérique. La règle suivante est que tout ce qui est en vigueur doit être disponible en ligne, mais aussi on doit former comment appliquer ces pratiques pour le personnel qualifié. Et encore une chose, il y a une initiative de l'OCDE concernant la confiance au business, au monde des affaires. Nous avons parlé de bonnes pratiques. Il me semble qu'il faut certifier les agences et les institutions qui appliquent de façon correcte ces bonnes pratiques, parce que ça va nous créer un groupe de personnes bien formées que l'on encouragera à mobiliser les institutions à se certifier, à être inclus dans cette liste. Bien sûr, monsieur, merci. Oui, le marché est très important, le marché dans certaines régions du monde, surtout lorsqu'on parle de petites entreprises, joue maintenant un rôle crucial. Maintenant, en se penchant sur ce problème, de votre point de vue, je voudrais vous demander quels sont les domaines les plus importants du point de vue politique où l'on a vraiment besoin d'une coopération multilatérale. Mais avant de poser la question, je vais me référer à ce que vous avez déjà dit, c'est-à-dire que on a besoin du développement de l'Internet, du développement numérique pour renforcer l'activité commerciale. Eh bien, ma question est la suivante. Est-ce que ça peut porter atteinte, nuire aux petites entreprises dans les pays africains? Bien sûr, c'est une opportunité, c'est une chance, mais peut-être ça présente des risques. Qu'est-ce que vous pensez? Merci beaucoup. Bien sûr, la nature du commerce a toujours été telle que tout dépendait de la qualité du produit offert. Nous savons que les produits doivent être très compétitifs sur un marché très compétitif, eh bien, à ce moment-là, l'efficacité de la vente en ligne et les défis qui sont liés pourraient exercer une certaine pression sur les petites entreprises. Nos enquêtes montrent que beaucoup de start-up, beaucoup d'entreprises, par exemple logistiques, qui ont leur commerce sur Internet, plutôt soutiennent l'importation que l'exportation. Je pense que c'est dû ce phénomène, en fait, est dû à la spécificité des produits, à des produits qui sont importés. Mais je pense que les défis principaux sont les suivants. Eh bien, beaucoup de PME dans les pays en développement trouvent des niches dans les chaînes globales de valeur, fournissent certains services ou un produit concret. Et à ce moment-là, la situation dans laquelle nous nous retrouvons est telle que dans le temps de pandémie, on a vu que se renforcer ce qu'on a vu auparavant, c'est-à-dire le nationalisme économique, etc., ce qui a perturbé les chaînes de livraison locales. La plupart des productions est basée localement et limitée de façon locale. Les tendances, les investissements deviennent des tendances à court terme plutôt, et régionaliser. Les opportunités et les chances pour les petites entreprises doivent s'adapter à cette nouvelle réalité. Il faut donc rechercher ces niches dans les marchés locaux au niveau local et non pas s'en tenir au modèle d'investissement ancien. Et je pense que c'est l'un des domaines importants, mais il y en a encore d'autres. Parce qu'il n'est pas possible de créer un régime de protection de consommation de consommateurs à soutenir la logistique sans la coopération internationale. Bien sûr, si le commerce en ligne devient de plus en plus important, et donc cette nécessité de protéger le consommateur est de plus en plus grande. Surtout que beaucoup de personnes veulent
profiter de cette ambiance de pandémie de façon inadéquate pour vendre des denrées qui sont vraiment nécessaires pour permettre de lutter contre la pandémie. Donc ici, nous avons aussi besoin de coopération et nous avons aussi besoin de coopération internationale en renforcée si l'on veut freiner tous les changements, toutes les tendances qui ont eu lieu, par exemple, dans le tourisme, dans l'hôtellerie. Tout ce qui peut être numérisé doit être numérisé. Les normes devront donc fortement changer en ce qui concerne ce secteur après la pandémie. Merci, Monsieur le Secrétaire. Je voudrais juste souligner, attirer votre attention sur une question qui est apparue avant sur le rôle des femmes au Sierra Leone. C'est une question du chat, on ne peut pas y répondre maintenant, mais je vous demanderai de vous y référer après, peut-être à la fin de la session. Nous avons certaines règles, nous avons besoin de projets concrets. Docteur Massel, que doit se faire pour qu'il y ait un meilleur flux de capitaux, pour que ce soit plus fluide? Quelles recommandations, selon vous, dans le domaine politique, pourraient le faciliter? Qu'est-ce qui nous permettrait d'avancer dans ce domaine et créer de meilleures opportunités de croissance dans le monde? Merci. Premièrement, il faut formuler des politiques qui reflètent la réalité. Elles doivent rattraper la réalité. Depuis une vingtaine d'années, nous étions dans une situation où la géographie de l'innovation a changé, mais les cadres politiques, par contre, étaient les mêmes. Donc, elles se référaient toujours à cette structure de l'innovation et du financement de façon très vétuste. Alors, ce que l'on devrait faire, c'est actualiser ce cadre, aussi actualiser notre façon de penser, notre mentalité, du flux des connaissances. Donc, il faut penser à une géographie multipole et un flux de connaissances dans les directions et non pas se baser sur des technologies anciennes. Je voudrais montrer une série d'exemples concernant les entreprises qui, avec succès, ont bien fonctionné lors de la pandémie, par exemple. Diatropics, c'est une entreprise sénégalaise qui a élaboré un kit de test bon marché. Il y a une société de la République du Sud qui a créé une application de suivi d'un contact pour RSA et Lesotho, une autre entreprise qui a créé aussi toutes sortes de monnaies numériques qui fonctionne dans les Caraïbes. Donc, il y a toute une série d'exemples de petites et moyennes entreprises qui ont profité de ce tournant dans l'histoire. Et je voudrais attirer encore votre attention sur une autre question, c'est-à-dire là où il y a le rôle le plus grand à jouer pour les interventions politiques plutôt que pour les investissements. J'ai déjà dit que lors de la pandémie, on avait affaire à une augmentation considérable d'investissement, 270% de croissance, 7,1 milliards de dollars d'investissements qui sont perçus comme des investissements responsables. C'est toujours moins de 5% par rapport à la totalité des flux d'investissement. Merci. Nous respectons le cadre temporel. Nous avons entendu parler des suggestions très importantes maintenant. L'IMF, le fonds monétaire, les parties intéressées devraient-elles changer les modes de coopération du point de vue de cette gouvernance de l'Internet, du point de vue économique? Qu'est-ce qu'on devrait faire de façon différente maintenant pour que la situation soit meilleure dans l'avenir?
il est clair que le rôle et l'impact lié à la numérisation, les rôles du gouvernement et les rôles des citoyens ont changé lors du COVID. La situation est tellement différente qu'on peut même parler d'une nouvelle ère de numérisation. Et la question se pose comment passer à cette nouvelle ère au lieu d'observer les inégalités de développement de numérisation comme c'était avant la pandémie. Peut-être la communauté internationale peut avancer, faire un pas en avant pour profiter de cette crise. Nous, en tant qu'institution, nous le voyons comme une grande opportunité pour améliorer notre avenir, pour que l'on soit dans une réalité plus intelligente, plus verte, plus juste. Si les technologies de l'Internet jouent un grand rôle dans ce monde plus juste, par exemple, la situation des femmes serait meilleure parce que les femmes ont vraiment souffert plus lors de cette crise. Elles devraient par contre avoir un accès égal à l'Internet. Dans les pays moins développés, leur accès à l'Internet est moins élevé. Donc, la communauté internationale devrait penser comment responsabiliser les femmes en leur assurant un meilleur accès au réseau. Les programmes tels que au Togo, en Zambie, en Tanzanie, où on a expérimenté en donnant aux femmes des téléphones gratuits, ça a porté des résultats. Et nous savons que l'extension d'accès à l'Internet qui commence ici en Afrique de 10% déjà pourrait augmenter le PIB de 4 ou 5% réellement. Et aujourd'hui, même plus qu'avant, les parties intéressées doivent se référer au problème de 30% du globe qui n'a pas accès à l'Internet. Et que faire pour que les technologies d'Internet jouent un rôle important après COVID? Par exemple, les organisations telles que SpaceX, qui envoient leurs satellites sur l'orbite de la Terre, vont faire que l'année prochaine, peut-être tout le monde serait par l'Internet au débit, bien sûr, en tenant compte de l'accessibilité de l'électricité. Ces satellites peuvent nous sauver des millions qui ne soient plus pauvres pendant les années à venir. Tout ceci doit se faire, c'est possible, grâce à la coopération avec les organisations internationales, doit être fait de façon intelligente, verte et juste. Merci. Juste 2 minutes de retard, je pense que c'est un très bon résultat. Maintenant, profitons de l'occasion pour donner la parole à chacun de vous. Je vous demanderai à ce que vous exprimiez vos engagements au nom de vos institutions. Je vous prie bien d'être bref, 1 minute au maximum. On parle de l'avenir, mais il y a beaucoup d'incertitudes. Mais bien sûr, commençons par le début. Moins d'une minute, Monsieur Harris de l'Union africaine. Merci beaucoup. En ce qui concerne l'Afrique, la coopération entre le gouvernement, le secteur privé et les autres partenaires a une importance clé. Donc, je vais encourager toutes les parties intéressées à ce qu'elles participent à l'accélération de l'implémentation de la stratégie numérique en Afrique. Donc, l'accélération de l'application, oui, c'est ça, il faut le faire. Monsieur Brunstrop du ministère allemand de l'économie et de l'énergie, vous avez la parole. Branchez votre micro, s'il vous plaît. On ne vous entend pas. Maintenant, on vous entend. Excusez-moi, on avait un problème technique. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Très bien. Excusez-moi pour ce problème. Je ne sais pas si j'ai bien entendu la question. Mais juste à la fin, je voudrais dire que l'année dernière, la réunion de
dernière de l'IGF Simulé en Allemagne. Donc, nous sommes toujours engagés à continuer avec le progrès auquel nous sommes engagés l'année dernière. Donc, nous voulons continuer ce débat international et nous essayons de faciliter le processus de l'application des points 5 à 5B. Nous voulons inclure les décideurs du monde entier dans ce débat, les parlementaires, notamment. Hier, nous avons eu une session d'ailleurs avec la participation des parlementaires où les parlementaires ont vu comment coordonner leur coopération pour être impliqués dans le débat avec les GF. J'ai voulu souligner l'importance de cela. Merci. Merci, docteur. Merci aussi à votre gouvernement. Et maintenant, Madame la sous-secrétaire, au nom de l'ESCAP. Voilà, donc c'est le dernier mot pour aujourd'hui. Donc l'ESCAP reste toujours engagé pour accélérer et pour vraiment mettre à l'échelle cette initiative Super Highway pour l'Asie Pacifique. Nous voulons que cette digitalisation accélérée pourrait servir à pourrait permettre une meilleure autonomisation des femmes en rendant possible l'accès aux solutions digitales, numériques. Nous voulons aussi encourager les jeunes entrepreneurs pour qu'ils utilisent les technologies et les solutions innovantes. Je vous remercie. Merci. Monsieur Yu, au nom de l'Organisation mondiale de la santé, on vous donne la parole. Merci. Les expériences acquises auparavant nous montrent qu'il faut maintenant imaginer de nouvelles solutions numériques pour créer l'emploi, pour assurer la relance économique. Il est évident que les réseaux commerciaux mondiaux ont confirmé leur rôle en ce qui concerne les services et les échanges de biens. Nous sommes persuadés que le commerce n'est pas un obstacle, que c'est vraiment une solution. Et nous voulons faire tout ce qui est possible pour augmenter la prévisibilité et la confiance du côté du business et du côté des consommateurs. Je voudrais donc juste dire qu'il faudra faciliter le transfert transfrontalier de services et de biens, aussi assurer pour faire en sorte que la fracture numérique soit comblée, notamment pour ce qui concerne les petites et moyennes entreprises. Oui, combler la fracture est très important. Et maintenant, je m'adresse aux représentants de Walmart. Oui, je voudrais mentionner deux choses ici. Tout d'abord, donc, l'engagement du business américain au dialogue, nous l'avons signé déjà. Il s'agit ici de partenariats multilatéraux qui assurent les ressources financières et aussi le soutien technique pour pouvoir utiliser des bonnes pratiques en ce qui concerne les licences et les autorisations nécessaires dans le monde numérique. Aussi, je suis très fière parce que nous sommes l'un des fondateurs de Trust Business dans le cadre de l'OECD. Nous sommes engagés à mettre en place des bonnes pratiques dans le secteur privé, donc les bonnes pratiques qui représentent ce que fait le secteur public. Voilà, Monsieur Kafui, maintenant, je vous donne la parole. Je voudrais vous dire quelques mots sur les solutions qui sont basées sur le dialogue. Donc, l'idée étant de maintenir la durabilité. La crise que nous vivons aujourd'hui est aussi liée aux inégalités qui sont liées à la mondialisation. Nous entrons maintenant dans l'ère numérique. J'espère qu'il y aura une distribution égale des avantages, de bénéfices qui sera assurée dans cette nouvelle période. Nous parlons aussi de risques qui sont créés par des grandes plateformes, par des grandes sociétés. Tout cela toujours important, mais dans l'avenir, nous devons faire des évaluations basées sur les preuves concernant l'impact de l'économie numérique sur les groupes qui sont un peu défavorisés, donc par exemple les femmes.
Il faut donc réfléchir sur ce qui s'est déjà, sur ce qui a été réalisé. Il faut être proactif, il faut trouver des solutions pour que nous puissions dire que nous réalisons cette nouvelle vision pour notre monde, pour le monde qui sera plein de nouvelles opportunités. Docteur, encore une fois, merci. Merci à FGI de m'avoir invité. Je voudrais vous féliciter d'avoir créé ce forum où nous avons cette possibilité de lutter pour les systèmes, pour le changement de la façon de penser, pour pouvoir utiliser différemment les capitaux financiers, mais aussi d'autres. Mais l'idée est aussi qu'il faut assurer vraiment le développement égal de la population, de l'humanité. Donc, il faut faire face aux inégalités aussi. Il faut faire des investissements financiers pour avoir des infrastructures numériques et pour le faire en faveur de la société numérique. Donc, je m'engage à travailler toujours pour contribuer à cette stratégie et je veux lutter pour avoir ces façons pour que la population mondiale puisse agir de cette façon. Oui. Encore une fois, merci FGI, Marco, toi aussi. Nous savons que nous vivons dans le temps, dans l'époque de la valeur ajoutée. Il y a deux pays qui accélèrent la mise en place de solutions numériques, y compris en ce qui concerne les devises numériques. J'ai déjà dit que tous les pays n'ont pas le même accès aux compétences numériques, aussi à l'Internet. C'est pourquoi il y a le risque de marginalisation qui apparaît. Et il y a aussi le risque que l'Internet ayant moins de valeur risque de se répandre. Nous coopérons avec différentes organisations et nous voulons faire en sorte que l'accès au paiement numérique soit égal, vert et égal partout. Je vous remercie à vous tous. Nous avons réussi à respecter le temps, ce qui est un miracle. Il nous reste 3 minutes. Et je vais donc essayer de faire le point sur cette discussion. Je pense que c'était très intéressant. Voilà, donc c'était le panel qui a été organisé sous l'auspice des Nations Unies. Voilà, donc nous vivons à l'époque de la crise et nous avons donc beaucoup parlé de qu'il ne faut pas quand même ne pas profiter des occasions qui se présentent. Donc notre économie peut connaître une évolution très positive grâce à cela. Nous devons donc avoir cette vision large, nous devons aussi investir en digitalisation, en numérisation. Et de l'autre côté, nous devons aussi savoir que le monde, ce sont les gens. C'est pourquoi ce qui est numérique devrait se concentrer aussi sur l'éducation. Nous devrions donc soutenir les investissements et voilà, faire en sorte que les investissements puissent accéder là où ils sont nécessaires. Et s'il y a un fort besoin, ce que la personne de Walmart, mais aussi d'autres personnes, M. Kitui aussi en a parlé, donc les services électroniques, les services publics, gouvernementaux devraient être aussi plus accessibles et devraient être réalisés de façon efficace, efficiente. Donc, il faut que ça soit accessible vraiment pour tout le monde. Il y a aussi un problème qui est lié à la taxation. Le système fiscal doit être construit et conçu de manière à promouvoir d'une part les revenus, mais d'autre part pour ne pas étouffer les entrepreneurs de petite taille. Je voudrais aussi me référer à un point à la fin et rapidement et brièvement. Nous devons être plus pragmatiques que politiques. Vous tous, vous engagez votre temps, vous consacrez votre temps, vous consacrez vos efforts pour que le monde soit un endroit meilleur. J'espère
qu'après la crise, la situation sera meilleure que celle qui correspond aux attentes que nous avons aujourd'hui. Donc, encore une fois, je vous remercie. Je remercie tous les participants pour votre présence. Je ne veux pas énumérer toutes les personnes par nom, mais maintenant, vous pouvez donc poursuivre, bien sûr, cette rencontre, participer aux sessions qui vont poursuivre. Je voudrais aussi remercier FGI de m'avoir donné la possibilité de participer. Je vous souhaite tous les biens pendant la pandémie. Après, ce ne sera pas facile, mais je pense qu'avec quelques efforts, avec une certaine sagesse, avec le travail nécessaire, on pourra donc passer par cette période difficile. Voilà, donc j'espère vous voir un jour. Je vous remercie pour votre attention aussi à tous les auditeurs. Je vous remercie pour votre attention.